La question est de savoir maintenant avec quel thème du 4 à la suite on va jouer ce soir. Il y a, regardez d'abord les mots de la géographie et sens figuré. Mots de la géographie et sens figuré. Les citations du général de Gaulle. Journaliste et consultant sportif. Dernier thème, bien entendu, le thème mystère. Emmanuel, premier qualifié, premier servi. Les citations du général de Gaulle. Emmanuel. Apnéiste, Emmanuel. Vous pratiquez l'apnée. En loisir. Hein. La plongée aussi. Oui, hein. La plongée, j'en ai fait en scaphandre autonome, mais c'est fais maintenant de l'apnée en loisir, en piscine. Vous tenez combien sous l'eau, Emmanuel? Ça dépend dans quelle forme on est. C'est très lié à la forme du moment, c'est ça? Voilà, exactement. Votre temps maximum quand vous êtes vraiment... Je ne fais pas d'apnée statique, je fais surtout des apnées dynamiques, donc c'est sous l'eau. D'accord, ok. Donc ça dépend. Oui, parce qu'en statique, c'est beaucoup plus long, bien sûr. Oui, ça se calcule en minutes. En dynamique, ça se calcule en mètres. En distance, très bien. Très bien. On dit que quelqu'un qui s'entraîne un petit peu arrive très vite en statique à 3 minutes. Oui. Voilà, un journaliste sportif qui m'a raconté. Ça me paraissait énorme, 3 minutes en apnée statique. C'est beaucoup quand même, non? Ça peut être très long. Oui, 3 minutes sous l'eau. Bon. On n'a pas 3 minutes, Emmanuel, on a 40 secondes. Là, maintenant, avec les citations du général de Gaulle. Êtes-vous prêt? Oui. Allez. Top. En 67, quelle exclamation prononcée à l'issue d'un discours à Montréal provoque la colère de ses hôtes? Vive le Québec libre! En mai 68, quel mot rare, depuis devenu célèbre, emploie-t-il pour fustiger le désordre? La chienlit! À quel militaire et homme politique déchu s'adresse-t-il par ces mots? Vous qui fûtes autrefois mon chef et mon exemple? Pétain! En 64, dans un discours en espagnol, dans quel pays d'Amérique latine exalte-t-il les relations mutuelles par un vibrant la mano en la mano? Le Mexique! Emmanuel, je ne vous savais pas spécialiste, en tout cas passionné du général de Gaulle. Vous l'êtes. C'est une figure que vous appréciez, que vous admirez. Oui. Oh, joli. Donc, les 4 bonnes réponses, j'y reviens d'Emmanuel. Vive le Québec libre, bien sûr. Puis à chaque fois, vous aviez une intonation, Emmanuel. Bravo. Non mais, vous avez vu? La chienlit. Pétain, bien sûr, et le Mexique, dans un discours en espagnol, dans quel pays d'Amérique latine exalte-t-il les relations mutuelles par un vibrant la mano en la mano, le Mexique, Emmanuel. 4 à la suite, bravo. Félicitations. Fabien, on va viser la même chose. Ouais, hein? Espoir fait vivre. Avec l'un de ces thèmes, mots de la géographie et sens figuré, journaliste et consultant sportif, thème mystère. Ouais. Je vais laisser les journalistes et consultants sportifs à ma copine. Je vais prendre les mots de la géographie. Allez. Mots de la géographie et sens figuré. Fabien, on a parlé de la Corse, de votre belle région, l'île de Beauté. S'il n'y avait, allez, ça va être un petit peu dur à dire, mais s'il n'y avait qu'un endroit, en tout cas pour vous, Fabien. Pour moi, ça serait les Tentes de Diane. Un endroit béni des dieux sur la côte orientale. Un endroit pur. Préservé par le Conservatoire du Littoral, le domaine de Terensan, une richesse au niveau de la faune, des moules, des huîtres. Donc moi qui suis un gourmand et un gourmet, je suis satisfait. Et autour, un vignoble extraordinaire à consommer évidemment avec modération. Je pense à tous mes amis qui font du vin autour, Alain, Jean-François, j'en passe, et des meilleurs Titi. Il y a vraiment de très très bons vins aujourd'hui en Corse. Fabien nous a fait la petite pub de ses copains vignerons là. Je crois que j'ai gagné quelques cartons là. Bien joué. Ouais. On est à côté de quelle ville là, Fabien? Alors là, on est vers Aléria. C'est une cité antique avec des fouilles. Et c'est sur la côte orientale, entre Bastia et Porto Vecchio. Et bon, Bastia de cœur, bien sûr. Hein, j'y habite. Bastia, ville d'art et d'histoire. Pour ceux qui sont passionnés. Et puis après, il y a tout. Il y a la montagne, le GR20, il y a les plages, il y a Porto Vecchio. Tout ce qui aime faire la fête, il y a des discothèques, il y a tout. Oui. Mots de la géographie et sens figuré. Prêt? Ouais. Top. Quel mot désignant un cours d'eau est associé en bijouterie à des diamants montés pour former un collier? Quelle sinuosité d'un cours d'eau sont notamment associées dans le langage courant au détour d'un raisonnement? Méandre. Quel nom de vent alpin est utilisé en Suisse pour désigner un sèche-cheveux électrique? Vent alpin.
Oui. Bise. Quel est le nom d'un courant tourbillonnaire marin associé à la Norvège a au figuré le sens d'une agitation intense qui entraîne quelqu'un? Quel est le mot désignant l'endroit d'un désert devenu fertile grâce à un point d'eau? Oasis. Pour quel est le mot employé pour parler de l'ensemble des régions les plus profondes des océans est utilisé ou figuré dans le sens d'abîme? Fausse. Quel est le mot désignant une fracture de l'écorce terrestre employant couramment pour une cassure ou un défaut? Passe. Quel est le terme désignant une vague déferlante se produisant dans les estuaires lors du flux est employé de façon littérale pour un bouleversement? Vague déferlante dans les estuaires. Hein, c'est le... Mascaret. Ouais, c'est ça. C'est le mascaret. Mmh. 2 points, Fabien. 3 bonnes réponses. Vous m'avez donné... C'est parti. Mais Fabien, on aurait pu faire le petit... On aurait pu faire le petit débriefing là-bas, vous inquiétez pas. Hein. Moi, je m'adapte. Hein. Oasis, méandre et rivière. Rivière de diamants, par exemple. 3 bonnes réponses. Mais... Attendez. Hop. Vous êtes sportif, vous, Fabien, non? Un peu, ouais. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Cours après le biftec. Ouais. Non, un peu de nage aussi. Pas aussi bon que mon camarade au niveau de l'apnée. Mais... Alors, j'en reviens sur les réponses qui nous ont manqué. Ce vent, alors c'est drôle, ça. Ce nom de vent alpin, qui l'a utilisé en Suisse pour désigner un sèche-cheveux électrique? C'est le... Bravo, le Föhn, madame, bravo. Le Föhn. En Suisse, c'est un sèche-cheveux électrique. Le courant tourbillonnaire marin associé à Norvège et au figuré le sens d'une agitation intense qui entraîne quelqu'un, c'est le maelstrom. Ah, oui. Maelstrom. Plusieurs orthographes possibles. Maelstrom, maelstrom. Ce mot employé pour parler de l'ensemble des régions les plus profondes des océans, abyss. Ah, oui. Et ce mot désignant une fracture de l'écorce terrestre qu'on emploie couramment pour une cassure ou un défaut, c'est la faille. La faille. 2 points pour Fabien. Fabien. Merci. Et Emmanuel est qualifié. Emmanuel a tout à l'heure pour le face-à-face. Bravo. Face à qui? Fabien ou Katia? Tout va dépendre du score de Katia avec l'un de ces deux thèmes. Mmh. Journaliste et consultant sportif que Fabien vous a laissé avec tant de gentillesse. Mmh. Ou le thème mystère? Ben, je vais faire plaisir à Fabien et je vais prendre ah-ha. Journaliste et consultant sportif. Bravo. Le sport, vous suivez? Oui, de mon canapé. Oui. Ça peut être très fatigant parfois. Ah ben oui, hein? Oui, absolument. Ou j'encourage des gens que je connais. Hein. Je Fabien, pas. Vous la laissez un peu en mode blague et peut-être que finalement... C'est une erreur tactique. Fabien, 2 points. Emmanuel qualifié avec 4 points. Et quel va être le score de Katia? Katia, journaliste et consultant sportif, êtes-vous prête? Oui. Quel présentateur de nombreuses émissions télévisées dont Vivant Dimanche a débuté sa carrière comme reporter? Quel journaliste, ayant un temps présenté le 13h, a commenté pendant de nombreuses années le Dakar à la télévision? Gérard Roll. Quel journaliste a enregistré un disque intitulé Ici à Nagano, en clin d'œil à ses propres commentaires des JO d'hiver de 98? Je ne me rappelle plus son nom. En 2018 à Roland-Garros, quel journaliste sportif né en 67 dirigeait l'ensemble des retransmissions du haut d'une terrasse? Roland-Garros. Quel journaliste? Non, sportif de France Télévisions, né en 53, s'est rendu célèbre pour ses interviews à chaud des champions en plusieurs langues. Plusieurs langues. Montfort. Quel journaliste sportif est... Oh, je savais que vous l'aviez. Ah bah oui, non. Nelson Montfort. Nelson Montfort, oui, qu'on a eu le plaisir d'accueillir ici, d'ailleurs. Ils ont joué tous les deux en binôme avec Philippe Candeloro ici. Ça devait être quelque chose. Quelque chose. C'était pour les JO d'hiver, justement. Katia, 2 points, vous êtes toujours dans la course, bravo. Nelson Montfort, Gérard Rolls, Michel Drucker. Ce journaliste sportif né en 67 qui dirigeait l'ensemble des retransmissions à Roland-Garros du haut d'une terrasse, pour France Télévisions d'ailleurs, Laurent Luyat. Vous connaissez, bien sûr. Ami de question pour un champion d'ailleurs. Et ce journaliste qui a enregistré un disque intitulé Ici à Nagano, qui voulait parvenir. Fula. Oui, Fula. Fabien. Pierre Fula. Pierre Fula. Ici à Nagano, tout Fabien. Nagano. Exactement. Katia, un jeu décisif vous attend avec Fabien. C'est parti. Je n'ai toujours pas le nom de l'adversaire d'Emmanuel. Donc les scores de Fabien et Katia vont retomber à 0. C'est fait. Voilà. Et voici le jeu décisif. Le premier, la première à 2 points, est qualifié. Première question, première image. Que suis-je? Plante vivace, dont l'espèce jaune est présente en particulier dans le Massif central. Je suis réputé pour les vertus digestives de ma racine. Katia. Digestive. J'allais dire l'arnica, mais c'est pas ça. À la saveur amère, à l'origine d'un célèbre apéritif. La gentiane. Bonne réponse. La gentiane. Deuxième image.
suis-je ? Île française, abritant les communes de Rivière-Salée et Casse-Pilote, je suis située sous le 15e parallèle et suis dominée par la montagne Pelée. Île des petites... Katia ? La Guadeloupe ? Des petites Antilles dont le chef-lieu est Fort-de-France. La Martinique ! Alors, on avait Emmanuel qui nous faisait Charles de Gaulle tout à l'heure. Votre plaisir à vous qualifier pour la manche suivante fait plaisir à voir, parce que déjà tout à l'heure... Bravo Fabien, un grand merci. Katia, bon retour à Tours. Merci beaucoup. Et un cadeau pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre ses valises accompagnées de leur vanity case pour parcourir les régions de France ou d'ailleurs. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Allez, avant le face-à-face, à vous de jouer à la maison pour gagner soit 10 000 euros, soit une voiture. Voici une nouvelle question. Et on est toujours dans la géographie, toujours dans les régions, avec cette question. Quel est le plus haut massif montagneux des Alpes françaises ? C'est donné, ça. 1. Le Mont-Saint-Michel. De le Mont Blanc. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Dans un instant, Fabien face à Emmanuel, la Corse face au Grand Est. A tout de suite sur France 3.